Lundi 29 janvier 2018, bonjour, nous comptons ensemble avec vous pour capable apporter pour tout élément d'information qui domine l'actualité. Déjà, nous souhaitons passer un très bon lundi et une très bonne semaine sur la télévision nationale d'Haïti. Rapidement, mes grands points qui a dominé l'actualité, le président de la République, Jovenel Moïse, rentré dans le pays hier dimanche après virer li saut fait dans le pays Italie, côté l'été Chita Pali, et puis l'été rencontré tout. Pape François. Dans la zone de marché Kwabosala, après gros la pluie qui était fin tombé sous capitale là, quitté la cause inondation marché Sila. Directeur sur la ingénieur Joao Cyrus Nader fait un visitant dans Kwabosala pour garder comment travail nettoyage jour avancé. Et puis, au niveau international, nous parlons au niveau Espagne, côté que ancien président catalan, Puigdemont, lui-même, lui a pris une décision par rapport s'il a gagné pour lui capable de retourner mettre pied dans le pays Espagne après l'élection qui se fait. C'est grand point ça, avec l'autre. Nous avons pour nous capable de développer pour dans le journal là. Nous avons une pause. Tout petit, nous avons tout à l'heure. Nous retournons pour développement information. Merci pour fidélité et attention à l'édition nouvelle. C'est là. Rapidement, mais développement actualité. J'ai noté dans la grande titre. Président République la Jovenel Moïse, dans tête yon gros délégation, t'es parti, t'es côté que l'été allé dans le pays Italie, l'été rencontré avec un tokaya italien li, et puis l'été rencontré en même temps tout vendredi passé. Papa François, président République, a rentré dans le pays hier dimanche là, côté l'été en conférence de presse au niveau de l'aéroport international Toussaint Louverture. En nous suivant extrait la déclaration président République. Là. Avion, dans Port-au-Prince, moi arrivé Miami, moi quitté Miami dans la soirée, m'allé à Rome, et côté me dérivé dans jeudi. Et je dis, me dérivé à nous connaître, petit problème de décalage horaire. Lors, il fait 18 ans de vol. Il était mérité un petit repos, une dépens. Et le lendemain matin, 18h du matin, nous étions allés rencontrer Saint-Père là, Pape François. Rencontre ça, forme d'île, c'est. Yon nan pi gwo rencontre ke m fè depuis 7 février 2017 ke m pran investitu m kom prezidan. Parce que c'est tan kou lò ap reflechi se pè la ou konnen. Sa vle di, lò al wè le pape. Ou konprann ke son personnage qui part simple même là avec nous. Mais ça me dérive de découvrir. Moi, je vois le monde, je dis à mon pape, qui compte toute douleur, toute misère, tout problème qui vient dans le monde. Là. Mais moi-même, particulièrement, je parle de problèmes jeunesse là, en Haïti, avec lui. Parce que nous connaissons comment nous avons une population qui est jeune. Sous chaque 100 haïtiens qui vivent, il y a 70 qui peuvent avoir 25 ans. Ça veut dire son gros opportunité, mais son opportunité, il faut bien gérer pour être capable jouer avec ça, pour être capable faire le service comme un gros levier pour le développement du pays. C'est pour ça que c'est un sujet que je vais parler. Sous les pile avec papa là pour comment pour intégration jeunesse ça comment moraliser jeunesse ça comment pour nous en jeunesse haïtienne qui est au service de la nation en jeunesse haïtienne qui est au service de la communauté en jeunesse haïtienne qui est au service de la patrie et moi discuter de vini papa là tout en Haïti parce que nous connaissons dernière fois te gen un pape qui était venu en Haïti. C'est 1983, c'est en mars 1983, ça fait 34 ans.
moi mandé pour que nous ta recevoir gros visite ça visite pape là dans pays d'Haïti. Nous travaillons sur avec date là mais nous pouko chita sur une date. Moi connais autorité dans l'église en Haïti, il y a bien pour entrer en pour parler avec autorité qui dans Vatican pour nous incessamment connait qui date visite ça qu'a fait nous-mêmes peuple haïtien pour nous préparer nous en conséquence pour nous recevoir pape là. Parce que nous connaissons depuis 1860 Haïti signé concordat avec l'église catholique, c'est-à-dire je voulais parler de l'état du Vatican et l'état d'Haïti, c'est-à-dire nous lier par accord ça. Il faut ne pas oublier tout que l'état Vatican c'est un dans premier état qui était reconnaître l'indépendance d'Haïti en 1824. Ça veut dire c'est un dans premier état qui était d'accord que l'esclavage était aboli sur la terre. Que moun pat la pour faire au service pour bête, moun pat la pour servir l'autre moun. Le rencontre là fin fête m'a parlé de vendredi dans l'après-midi vers 2h nous t'ai rencontré président italien. C'est une grosse rencontre côté nous t'ai parlé de relations bilatérales parce que entre Haïti et Italie depuis plus de 30 ans nous pas gagné ambassade d'Italie en Haïti et pourtant en Italie ou ambassade d'Haïti parce que faut ne pas oublier Italie c'est un coup deux pays ça veut dire que c'est deux états en dedans Rome ou état du Vatican. Haïti nous on ambassadeur dans Saint-Siège là ça veut dire dans Vatican qui c'est ambassadeur ça et nous on l'autre ambassadeur qui lui-même c'est ambassadeur pays Italie. Nous discuter de ça. Jodi an nous dit li ça qui pi intéresse nous nos relations avec l'Italie. C'est pas une relation de yon ambassade avec une autre ambassade, mais son relation de coopération technique, de coopération qui tend vers le développement. Donc on aime bien comment que italien yo très bon dans construction de machines. Par exemple, si n'a pas parlé de d'énergie électrique, nous connaît gien barrage qui supposé fait sous fleuve Artibonite là. M'a parlé de barrage Artibonite 4C qui son projet qui finit étudié là, mais malheureusement pour côté jambes ont mis en commun pour nous être capable implémenter projet ça. Italie c'est un pays qui plus fort sous la terre a fait construire turbine hydroélectrique. Nous t'ai parlé avec le président sous ça, sous affaire énergie. Nous parlons avec lui sur les affaires touristes là tout, parce que le plus gros tour opérateur qui vient dans le monde tout, c'est italien. Ça veut dire, qui ça compte tour opérateur, c'est des gens qui organisent pour mener les gens voyager dans l'autre pays. Et je dis, hein, nouvel élan que le pays a pris, téléphérique que nous allons mettre dans la citadelle là très, très prochainement, qui permet que nous allons mener 500 personnes chaque temps dans la citadelle là, vient faire que les touristes là, développement touristique là, nous avons réfléchi à l'autre genre. Aéroport international, Toussaint Louverture, que nous la donnons là, nous avons pour nous agrandir. Aéroport Okaï, qui vient pour venir à l'aéroport international. Aéroport Okap là, nous avons pour nous mettre Jet Bridge, même genre avec Port-au-Prince là, pour nous refaire terminal là. Ça fait que nous avons préparé pour les touristes entrer dans le pays. Nous parlons de îles adjacentes tout. Nous parlons de la Gonave, de la Tortue, de la Vache, des Caïmites. Côté, nous parlons de travail pour nous mettre des infrastructures qui permettent que nous puissions recevoir bateau. Là, nous avons besoin de tout opérateur, des gens qui ont connaissance dans le domaine, qui pour travailler avec le ministère touriste en Haïti pour comment nous amener des touristes européens, touristes, toute qualité, nationalité venir dans le pays. Ambassadeur Japon en Haïti, Yoshaki Yata, signé un contrat d'homme avec représentant trois organisations paysans vendredi
26 janvier passé. Organisation SAYO qui portait non coordination plantaire INI pour développement 3e section des Salines, groupe VICE pour développement participatif et puis organisation leader pour développement du Bédou dans l'Artibonite recevoir l'une après l'autre chèque $69,700 américains, $116,606 américains et $121,702 américains. D'après ambassadeur japonais accrédité par Boïsite, l'agence Sayo pral aider responsable communauté Sayo pour capable améliorer situation sanitaire, hygiénique et puis faire promotion l'éducation et agriculture dans zone Payo. Le projet d'aménagement du centre de santé de Salmori, qui sera exécuté par le groupe Vicen pour le développement participatif, est financé à l'auteur de $116,606 américains. À travers ce projet, l'organisation qui gère le dispensaire se propose d'améliorer l'accès aux services et aux soins de santé de base dans la communauté de Salmori. Ce centre de santé qui offre des services à environ 25 000 habitants, désormais doté principalement des lits d'accouchement, de salles d'observation, d'un laboratoire, d'espaces d'accueil, des salles de consultation, d'une pharmacie, d'un bloc administratif, du bloc sanitaire et des archives. Le troisième projet intitulé « Le projet d'aménagement de l'école communautaire réformée du Bédou » sera exécuté par l'organisation des leaders pour le développement du Bédou Artibonite et financé à hauteur de $121,702 américains. Avec ce projet, les 200 élèves de l'école occupant le local d'une église de la place auront accès à un environnement scolaire favorable aux meilleures conditions d'apprentissage. Le nouveau bâtiment comprendra 7 salles munies de tout le mobilier scolaire approprié, à savoir les bancs, les chaises, les tableaux et les bureaux, ainsi qu'un bloc sanitaire et un bloc administratif répondant aux exigences pédagogiques et de sécurité. Comme vous le savez tous, l'amélioration de l'accès aux services sociaux de base tels que l'alimentation, l'éducation et la santé, reste un de grands défis auxquels doit faire face non seulement le gouvernement central, mais aussi les responsables locaux engagés activement. Dans ce contexte, le gouvernement du Japon, que je représente ici, est très heureux de pouvoir appuyer des engagements communautaires afin de consolider les droits fondamentaux relatif. Dans même si j'ai là responsable coordination INI pour développement 3e section des Salines, à groupe Vie Saint pour développement participatif et puis organisation leader pour développement du Bédou dans l'Artibonite, remercier gouvernement pays Japon pour support libaya à communauté Sayo. Responsable organisation de société Layo souhaitait coopération qui existait entre pays d'Haïti et pays Japon continuer pour bien-être des nations. En nous suivant extrait. Monsieur l'ambassadeur, grâce à la coopération japonaise en Haïti, les gens de la 3e section de Dessalines vont pouvoir prendre le luxe de se vanter qu'il est un centre de transformation moderne de la place. Monsieur l'ambassadeur, grâce à votre aide de financement, la population de la 3e section de Dessalines sera dotée dans les mois qui viennent d'un centre de transformation du RIPADI et les équipements modernes seront installés. Au nom de la GVSDP et au nom personnel, je remercie le peuple japonais via son ambassadeur en Haïti qui permettra à notre organisation construire et d'équiper les centres de santé de Salmori pour servir la plus grande partie de la population pour la bonne prise en charge des maladies,
Ce projet permettra à l'école d'accueillir beaucoup plus d'élèves, aux professeurs de travailler dans un bon environnement et d'éviter aussi la cacophonie au niveau des salles de classe. J'ai l'attitude également que cette nouvelle action permettra d'améliorer la qualité de l'éducation dans la localité de Dibédou. Information à rapprocher sous TNH. Gola pli qui te fait dans tomber sous capitale là, la cause tout marché quoi de Bossala inondé. Gen quelques jours, gen un travail à nettoyage canal à Tourégoyo qui commence à faire dans la zone Silla. Directeur SEEUR là, ingénieur Joaquin Sanader, fait une visite dans quoi Bossala pour capable garder qui j'en travaille nettoyage avancé. Richardson Joudan avec le roi d'Ali Jean-Jacques sur place, il a dit nous plus. Visite sa fête dans Kouabosal, dans l'idée pour garder qui ça qui la cause de la pluie tombée, toute zone là inondée. Dans quatre visites là, directeur service équipement entretien Iben Akural, ingénieur Joachim Snyder, constaté tout tout égo dans marché Kouabosal bouché, ak fatra envahi tout espace là, ça qui empêchait de l'eau joindre côté pour circuler, pour permettre de joindre solution à problème ça. Dirigeant ministère Travaux publics, Transports et Communications déjà engagé plusieurs monde pour travail la journée en courant nuit en façon pour bail marché à zone alentour yo un autre visage. Nous avons 40% dans effectif non en dedans quoi pour ça là jodi. Famdou nous avons 25 équipes mais famdou équipe yo pas gagne quantité monde pour te gagner. En pile monde yo important et équipe yo gagne maximum 4 à 6 monde. Bon ministre par la même la paire des matchs pour comment pour augmenter l'équipe. Mais Kouadebossal, pour qu'on dise, mandé 4 équipes. Mandé 4 équipes de jeunes garçons qui travaillent constamment. Et avec tout, et enlèvement fatrayo presque chaque dimanche. Technicien et habitants de zone là, fait qu'on est. C'est depuis longtemps qu'ils vivent et puis vendent dans mauvaises conditions en dans marché Kouadebossal. Je souhaite pour travailler là, réussir. Là, prendre l'eau, je vois 5 équipes là. Si tu as envoyé 5 équipes, c'est qu'équipe là pas même de 30 personnes. Et là, c'est peut-être pour 75 personnes, 100 personnes qui appellent. Alors, mes problèmes, non, au lieu pour augmenter l'équipe, c'est diminuer l'équipe. Pas de monde dans l'équipe. Ce problème, ça, on a confronté actuellement, même là, Delmaguet a pris l'homme pour de l'eau. Tout le monde a pris l'eau de l'eau. Et pas de monde. L'équipe qui a plus de monde, ou avec nos équipes qui ont 6 personnes. Nous avons fini de manger pieds, nous ne pouvons pas vendre. Les clients ne peuvent pas rentrer pour venir faire nous vendre dans l'eau. Il y a l'autre jour, on met ses tombes dans tout régulièrement qui allait dans l'eau. Et celle-là nous demande pour la tête, aidez-nous, parce que malheureusement, nous ne pouvons pas faire. Le directeur de la voie publique là, qui fait l'équipe ça pour nous là, qui joue avec nous, qui a passé misère dans l'eau, malgré ça, il n'y a pas de chambre cabale. Nous avons pile fatra là. Directeur service équipement entretien Iben Akural, ingénieur Joachim Snyder, mande machan ak moun zon lan pour pas jeter fatra nan Tourégo yo. Sinon, après travail en fini, Tourégo yo ka tourne bouché encore. Travaux publics a toujours là pour les cuire canal yo, mais faut suspendre tout vide fatra la dani. Yo ka wè la, c'est charbon tout qui la dan yo. Gen de côté c'est toilettes qui la dan yo. Moi comprendre, pas oublier tout travaux publics par la mairie. Travaux publics, c'est travaux publics. Wally, c'est assurer que canalisation en fait. Mais pas oublier tout. Même si ma cuire aujourd'hui la poule, si on pas évité vide fatra dans tout égout, la préboucher même gens. Responsable ministère des Travaux publics, Transport et Communication fait qu'on est. Yo pral écrit moun ki gen business bol an mer ki barre espace pou de l'eau a passer. Gen travail nettoyage kap vin fèt nan zone lan. Yon façon pou fini ak problème ça. Organisation non gouvernementale Entrepreneur du Monde lancé vendredi 26 janvier passé à Bureau Entrepreneuriat ak Insertion Professionnelle nan pays d'Haïti. D'après responsable Biosila, objectif là, c'est river former 200 jeunes dans affaires entrepreneuriat pendant y a ba yo possibilité pour capable créer pour pipiti 50 ti entreprises annoncées. L'idée du BUIP, c'est d'accompagner concrètement les gens qui le souhaitent dans leur projet professionnel, que ce soit la création d'une entreprise
ou l'obtention d'un emploi de salarié. Il s'agit de créer une formation qui s'appuie à la fois sur le savoir-être, qu'est-ce que ça veut dire qu'être un entrepreneur, quelles sont les qualités requises, et sur le savoir-faire. L'idée est de créer des formations pratiques avec un accompagnement concret qui débouche soit sur une entreprise, soit sur un emploi. Et ce BIP va aussi s'accompagner d'un environnement propice, c'est-à-dire de créer un réseau de partenaires qui comprend à la fois des écoles professionnelles, des entreprises, pour faciliter l'insertion de ces jeunes dans le milieu du travail. Nous voulons atteindre des résultats concrets, c'est-à-dire que chaque personne qui suivra cette formation et qui sortira de cette formation sortira soit avec une entreprise, soit avec un emploi. Pour participer dans le programme, non, eh bien, nous avons demandé pour capable ou inscrit. Ou inscrit, nous avons formulé en description qui sur page Facebook, non, qui c'est Oser l'entreprise, pour capable inscrire en ligne. Ou encore, on peut passer dans le bureau nous, qui est dans le PACO et limite avenue N, dans Revolving. Côté que vous avez venu remplir le formulaire de description, ou manifester l'intérêt ou, et côté que nous prenons ensemble d'informations sur motivation, sur qui est le business qu'on gagne ou encore qui est le métier qu'on gagne. Maintenant, le deuxième aspect, c'est que nous faisons passer un entretien d'évaluation. Pour quelle raison? C'est parce que nous disons, ben, nous avons deux volets d'information, soit vers l'insertion professionnelle, soit nous aidons à développer ou accompagner dans la question d'entreprise. Donc, étant donné que tout le monde pas venir pour même raison, ben il est important pour nous connaître qui ça qui mérite améliorer la qualité de l'autre monde, qui ça qui mérite renforcer la qualité de l'autre monde, qui accompagnement personnalisé spécifique que nous capable avec tel ou tel autre monde, qui pour nous connaître comment nous capable assurer que ça que nous faisons est beaucoup plus efficace, beaucoup plus efficient résultat. Donc entretien d'évaluation, c'est dans ce sens ça que l'y aller côté l'offre inscrit ou gain on chargé de mission de entrepreneur du monde qui chita qui parler pendant 5 à 10 minutes avant pour essayer comprendre motivation qui soit qu'on fait qui soit qu'a fait et dans qui sens pour nous mieux orienter offre de formation ça que nous a bail là qui supposé et le plus personnalisé que possible. N'après pour souvaque information yo Fédération l'école protestante d'Haïti organisé 28e assemblée générale vendredi 26 janvier passé en sous thème pi bon engagement parent yo pour une éducation qualité. Président Fédération Guilbeau Saint-Cyr et président Fédération protestante d'Haïti pasteur Sylvain Exantis expliqué à si ça yo déroulé dans l'idée pour encourager parents yo porter surveillance nécessaire dans apprentissage timoun yo et puis participer dans activité l'école yo. Yon l'autre bord responsable Fédération l'école protestante d'Haïti a expliqué mission ak organisation protestant ap travaya ak plis passe 2000 l'école yon façon pour renforcer et puis pote réforme dans système éducatif la. An nous souvion extrait nan déclaration yon nan miko Setkwa Paki ak Loro Dali Jean-Jacques. Depuis 3 ans, nous lançons une campagne de amélioration de la qualité de l'enseignement, amélioration de la qualité de l'éducation que le secteur protestant a fait. Depuis 3 ans, nous lançons la campagne. Ça. Si pour le volet qualitatif, nous autres protestants, nous gagnons déjà, parce que nous gagnons près de 40% des écoles, du parc scolaire globalement dans le pays, c'est des écoles protestantes. Mais le pari de qualité, c'est un effort continu. Et à ça, pour 2018, là, nous mettons accent sur la participation des parents dans l'éducation des enfants, engagement parent, ça est capable de permettre que la qualité de l'éducation améliorée. Si vous avez un nouveau l'école comme parent, ou pas suivre les étudiants, ou pas encourager les, ou pas faire l'habitude, ou pas faire ça, ça ne va pas marcher. Et Anessa nous dit qu'un meilleur engagement des parents a baoutou, a amélioré l'éducation de qualité que nous voulons gagner. Et dans les années passées, nous estimé tout que infrastructure scolaire yo c'est bail pour améliorer tout ce besoin font on ba une meilleure éducation. Ça fait que nous travaillons en piste pour nous améliorer infrastructure scolaire yo pour nous bail dotation matérielle pour que tout ça contribue à verser la chercher à éducation de qualité dans le secteur protestant. La Fédération des écoles protestantes d'Haïti, c'est une institution que Fédération protestante d'Haïti créée. Nous-mêmes dans Fédération protestante d'Haïti, nous occupons des affaires l'église. Et la Fédération des écoles là, elle occupe de l'école. Yo. Et nous connaissons par participation de l'Église protestante dans les affaires l'école. Ça sortit depuis de la réforme qui demandait à toute l'Église yo, pour accueillir Timon yo, pour être capable de recevoir l'éducation. Il y a un peu d'efforts qu'a fait depuis plus de 4 ans et c'est ça qui a cléonné
une éducation protestante de qualité. Mais nous tous connaissons la qualité, elle marche également avec investissement. C'est pour ça nous avons boumé ensemble avec l'État pour nous dire responsabilité qui sous donnons en matière d'éducation, c'est responsabilité pas que nous avons de porter, ou bien responsabilité tout pour soutenir nous. Et c'est là nous mettons bout dans la page locale, nous prenons à l'étranger et particulièrement dans le pays la France, puisque le ministre français contre le public, là, Gérald Darmanin, lui-même, il y a une dame qui a accusé lui, comme quoi dirait l'État violé lui. Euronews pour plus de détails. En France, le ministre des Comptes publics, que l'on voit ici à gauche de l'image, est visé par une plainte pour viol. Une femme, aujourd'hui âgée de 46 ans, accuse Gérald Darmanin de l'avoir violée alors qu'elle sollicitait de l'aide dans une affaire judiciaire. Les faits présumés remonteraient à 2009. À cette époque, Gérald Darmanin était un jeune chargé de mission au service des affaires juridiques de l'UMP. D'après le journal Le Monde qui a révélé l'affaire, Gérald Darmanin aurait obtenu des faveurs sexuelles de la plaignante, ancienne call girl, en échange de la promesse d'une intervention auprès de la chancellerie. Après une première plainte classée sans suite l'an dernier, une nouvelle plainte a été redéposée début 2018 par la plaignante, déclenchant automatiquement la réouverture de l'enquête préliminaire. La justice devrait établir si les faits dénoncés sont susceptibles d'être qualifiés de viol. Le ministre qui conteste catégoriquement les faits conserve toute la confiance du Premier ministre, c'est ce qu'a indiqué Matignon ce samedi. Nous avons toujours été sur le continent européen, mais cette fois-ci, nous pouvons aller au niveau du pays Espagne, puisque l'ancien président catalan a cherché tout moyen légal pour être capable de retourner dans le pays Espagne. Pour des monde qui trouve là actuellement dans le pays Belgique, au niveau de Belgique, eh bien, il y a un cours constitutionnel là qui était interdit pour être capable de gouverner depuis pays étranger. Et on renonce pour plus de détails. Carles Puigdemont n'a pas dit son dernier mot. Celui qui brigue la présidence de la Catalogne depuis son exil belge tente toujours de retourner en Espagne légalement. Pour cela, selon des membres de son parti, il attend que la Cour constitutionnelle de Madrid lui donne l'autorisation de reposer le pied sur le territoire national et ainsi de pouvoir prendre part au débat d'investiture. Samedi, la même juridiction avait déjà estimé que s'il voulait occuper la fonction, il devait se rendre physiquement à Barcelone. Un discours via Skype ou prononcé par un autre parlementaire n'étant pas légal. Pour l'instant, le gouvernement espagnol considère que l'ancien président est un fugitif. Il pourrait ainsi être arrêté en cas de retour en Espagne. Carles Puigdemont est le seul candidat au poste de président de la Catalogne depuis qu'il a été choisi par les trois principaux partis indépendantistes, victorieux des dernières élections de décembre. Pour l'instant, la situation semble donc complètement bloquée. Impossible de donner une tête à l'exécutif. Ces dernières heures, certaines voix indépendantistes se sont fait entendre pour qu'une autre candidature soit proposée. Et c'est la journal arrivé dans Boutli, permettre que nous rappelons grand point qui domine l'actualité. Président République là, Jovenel Moïse, rentré dans le pays hier dimanche là, après virer les sauts de fer dans le pays Italie, côté l'été chita parler avec Tokay italien li, et puis l'été rencontré vendredi matin, Pape François. Après victoire dans zone marché Kwabosala après gros la pluie qui était fin tombé sur capitale là qui était la cause inondation dans marché cela directeur SEEUR là ingénieur Joa Cyrus Nader fait une visite dans Kwabosala pour garder comment travail nettoyage ça yo avancé. Et puis à l'étranger, ancien président catalan a fait tout moyen légal li connaît pour capable retourner en Espagne pour capable al reprendre tête exécutif là. Et c'est là n'a mettre dans journal là nous te content ensemble avec pour capable former au directement pour capable souhaiter un très bon lundi et une très bonne semaine. À demain.